Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. La recette laquelle c'est comment faire du macaron piqué. Ici pour commencer, je vais assaisonner mon macaron chinois là avec mon épice barbecue. Je vais vous en rajouter pas assez comme ça, oui. Parce que c'est une vidéo que je vais voir. Sinon. On va bien mariner tout ça là. Voici un peu à quoi ça va ressembler. Bien assaisonné, très bien assaisonné. Vous pouvez aussi rajouter de l'huile. Hein. Là, le gars qui fait le poisson piqué, là, il va piquer le poisson là. Vous pouvez prendre votre poisson et puis aller chez vos... Il y a un piqueur de poisson, celui qui fait poulet piqué là. Celui qui fait poulet piqué là, il va piquer pour vous. Vous assaisonnez tout, tout. Et puis, vous lui donnez. Ça, je crois, j'avais assaisonné avec le passepartout. Et puis, ça, voici ce que je viens d'assaisonner avec le barbecue là. Voilà, il va gérer le reste. Il va retourner. Là, quand c'est prêt, là, il a dépiqué ça. On va voir un peu à quoi le résultat va ressembler. Un bon poisson piqué. Le poisson était bien frais comme ça. Ensuite, j'ai mis la vidéo, n'oublie pas de liker, de t'abonner, de partager. Et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes recettes. On se dira bye bye. Papa, vous coupez là. C'est bon, dans la bouche. Non. Tu as dit que les choux. J'ai maintenant dans les choux. Elle envoie le bon vin à la fin. Ça l'est bien frais là. Sarah n'aime pas la mayonnaise. Mais vous mangez quoi? Elle n'aime pas la mayonnaise. C'est trop bon. Non, elle passe partout. Elle doit passer partout là. Elle peut respirer. Non, là-bas. Mmh. Mmh. Maman, quoi, c'est qui sont moins chers, nous aussi. Ah, de quoi? Je sais. Maman, c'est moins cher à piquer là, là, c'est cher. Et si elle n'a pas de poisson? Elle est triste. Elle n'a pas de poisson. Elle est plus. C'est ce qu'on a fait un deux goûts là. Après le reste,
c'est le poisson. Poisson tilapia cap. On a piqué aussi. Maintenant, concernant les épices là. Pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique, vous avez un cas différent. Il y a le... pour celles qui prennent en gros, vous avez le sachet, le gros sachet de 1 kg. Et puis pour la représentante de taille là, elle a en 80 grammes, en 250 grammes et en 500 grammes. Voilà, donc à vous de voir. Pour le bouillon aussi, c'est pareil. Elle a 80 grammes. Elle a, je crois, 250 grammes en pot. Et la grosse boîte de 500 ml comme ici. Concernant mes produits, voici mes produits qui sont là. Vous avez le mini pack. Le mini pack est composé d'une boîte de 200 ml bouillon d'assaisonnement et tout le reste, c'est la boîte de 100 ml. Barbecue, cancan, passe-partout, viande, volaille, poisson. Et le pack normal, les sachets sont de 200 grammes. Voilà. Bouillon d'assaisonnement. La grosse boîte là est de 500 grammes. Vous avez un petit sachet de piment aussi. Ça, c'est pour le pack normal, pas pour le mini pack. Le pack normal est composé de cancan, passe-partout, viande, volaille, poisson et barbecue. C'est 200 grammes par sachet. Et la grosse boîte du bouillon d'assaisonnement, c'est de 500 grammes par boîte. Donc,